Eh bien, bonjour à tous, c'est Raik et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le TOAL. Aujourd'hui, on s'attaque à l'étage 5, Joséphine. Alors, comme on en est à l'étage 5, je rappelle que je me suis imposé comme petite règle de faire des teams free-to-play. Donc voici ce que je vous propose en team free-to-play et très abordable pour Joséphine. Je n'ai absolument pas vu les conditions, mais c'est pas grave, vous les aurez lues. Hein. Je pars du principe que vous allez quand même lire, hein, on va pas se le cacher. Alors, désolé, je stresse pas mal parce que vous l'entendez peut-être, mais le micro n'est pas du tout celui que j'ai l'habitude d'utiliser pour la simple et bonne raison que pendant les vacances, bah, je l'ai oublié chez mes parents. Tout simplement. Donc, voilà, là, comme là, il faut que je sorte la vidéo avant la fin du reset TOA. Vous me pardonnerez pour cette fois, voilà. Vous me pardonnerez d'avoir utilisé un micro un peu moins bien. Normalement, j'ai fait des tests. Ma voix s'entend quand même assez clairement. Donc voilà, vous me pardonnerez juste la bêtise d'un homme qui a juste voulu vous faire plaisir et qui a quand même tenu à sortir des vidéos même en vacances. Donc voilà, hein, ce genre, soyez cool, genre juste 5 minutes. Donc. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, le micro, je le récupère d'ici 1 ou 2 semaines, je crois. Donc, pas de panique, il y a déjà des vidéos qui sont préenregistrées, ne vous inquiétez pas. Bref, sur ce, je parle. Bon, de toute façon, la strat, vous l'avez sous les yeux, hein. Donc, ça provoque à balle avec Jeanne pour justement laisser un petit peu les Rakan ne pas faire trop de dingueries, hein. Parce que bon, ben voilà quoi, on est quand même content quand les Rakan ne nous font pas trop chier. Donc voilà, le Lulu, bon bah, qui est clairement là pour soigner, pour poser l'immunité, tout ça. Le Tésarion qui va se débarrasser de quelques passifs et ça va nous être assez utile. Hein. Bon, notamment le passif de. Je sais jamais si c'est Shren ou Shen, je crois que c'est Shen. Qui bon bah l'empêche de heal ses potes, hein, on va pas se le cacher, c'est pas mal. La Veriza qui est vraiment mon coup de cœur de la saison en ce moment, notamment en RTA. Hein. Cette Veriza donc qui est un autre stripper AOE qui va respirer un grand coup d'ailleurs parce que là la Shren elle nous l'a bien faite à l'envers. Tiens, prends-toi ça. Laissez ma Veriza tranquille, vous serez gentil. Donc je disais, donc bah oui, Veriza qui est là pour strip, pour poser le glancing, le break attack, pour contrôler un petit peu la TB. C'est vraiment un monstre très complet. C'est un grand coup de cœur Veriza que j'ai en ce moment. Qui concurrence assez bien Behring. J'aurais pu le faire avec Behring cet étage. Mais je me suis dit, voilà, comme tout le monde n'a pas Behring parce que bah les gens n'ont pas de cerveau, que voulez-vous? Ce troll gratuit. Voilà, donc comme tout le monde n'a pas Behring. Eh bien, je pars du principe que Veriza peut très bien la remplacer. Ça mériterait limite un petit versus, mais je crois qu'il y a trop de versus avec Behring. Et ça fait trop de trucs, ce monstre. Désolé. Ah, live, 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 live. Bref. Et puis, bon, bah, Rika, qui est là pour faire les dégâts, hein, clairement, pour poser les dots, pour contrôler un petit peu. Bien sûr, Free to Play oblige, remplacer Rika par Barretta. Et on sera pas mal. Je pense même que maintenant, par un bon train deuxième awake, ça peut le faire également. Bon, par contre, les carcanos, là, vous allez vous calmer un peu, là. Distribuer les breakdefs à droite à gauche. C'est aussi pour ça hein, que le Thésarion est très, très, très utile. Donc, du coup, c'est pour ça. Hein. Faites-vous plaisir. Avec Thésarion, notamment. Et puis, bon, bah, la Jeanne, hein, la Jeanne qui protège pas mal, mine de rien. La Jeanne, là, qui bah, protège des éventuels breakdefs que Thésarion peut coller. Non, franchement, c'est une compo que je trouve quand même assez cool. Le TOA ce mois-ci est quand même très abordable. Je le dis d'ailleurs parce que c'est la seule vidéo originale, on va dire, qu'il y a dans cette rotation. Tous les autres sont des vidéos qui sont déjà existantes, donc je vous les mettrai juste dans l'ordre de la playlist. Mais sinon, tous les autres étages, je les ai déjà faits. Donc, ce qui est quand même assez pratique, hein, on va pas se le cacher. Alors. Donc bon, là après, comme vous le voyez, hein, pas trop de surprises. C'est aussi justement le petit avantage bah, de cette team très 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 contrôle. C'est que là, bon, là, on est tranquille. La seule vraie menace, effectivement, ce sont les Carcanos. Parce que bah, les Carcanos, ils passent au travers de l'invincibilité.
Donc ça, il faut se méfier absolument. Franchement, je suis là, je vous parle. Vous verriez le montage que j'ai fait pour avoir un petit micro. En fait, bah, j'ai pris mes écouteurs pour faire office de micro et pour qu'il reste à la bonne hauteur, parce que ça aussi, il faut qu'il soit à la bonne hauteur et qu'il soit bah, pas trop loin de ma bouche. Je les ai posés en équilibre sur une bouteille. Je vous jure que là, je fais tout pour ne pas toucher mon bureau, sinon tout se casse la gueule, hein. Donc du coup, on est là sur la phase de boss. Alors. Joséphine, alors bon, bien sûr qu'il va y avoir des stuns. Le but, c'est de faire proc le passif de Joséphine assez vite et après bah, de la full contrôler. Donc, ça va être ça le plan. Hein, clairement, ça va être ça le plan. Pas de stun de la part de Veriza. Le breakdev qui est parti, ça fait quand même assez mal. Heureusement, la Jeanne peut cleanse tout ça. Et puis, bon, bah, de toute façon, le taunt est passé. Larika va se faire plaisir et encore une fois, bon, le but c'est de faire proc le passif de Joséphine. Ça, de toute façon, vous ne pourrez pas l'empêcher avec cette team-là. Mais la Veriza est protégée. Donc, je pense que c'est Rika ou Tezarian qui vont prendre une sacrée châtaigne. C'est Rika, ça tombe bien, voilà. Hein, comment on encaisse le passif de Joséphine? Et bah, vous l'avez sous les yeux. Et puis, à partir de là, bon, bah, c'est la ligne droite, hein, j'ai envie de vous dire. On met les citrouilles pour justement rester. Enfin, pour justement s'éviter des break def, enfin des break def, des boucliers, je vais y arriver. Et puis, bon, bah voilà quoi, à partir de là, c'est quand même assez tranquille. Alors, ça, c'est dommage, elle a fait son skill 2, la Joséphine. Bah, dans ce genre de situation, évitez de vous tirer une balle dans le pied. Soit vous avez le skill 3 de Veriza, et bon, bah avec les break attaques et les glancing, vous craignez pas grand-chose. Soit il vous faut temporiser, bah écoutez, hein, il y a largement ce qu'il faut avec les citrouilles et les Lucas. Pour temporiser, je pense. Hein. La Joséphine, elle nous embête pas. Là, elle fait sa vie, elle fait ses contre-attaques et tout, c'est tranquille. Et puis bon, bah le reste, hein, c'est quand même assez direct. Hein. Alors, bien sûr, là, c'est la team free-to-play, mais enfin, c'est vraiment pas le boss le plus compliqué. Et je pense vraiment que vous devriez pouvoir vous en sortir sans trop de difficultés là. Vraiment, vous devriez vous en sortir assez facilement. Donc du coup, c'est pour ça, hein. Ne vous prenez surtout pas la tête. C'est une team qui passe très bien, qui passe quand même relativement vite. Hein. Ouh, par contre là, la châtaigne de la Joséphine, ben, ça fait mal. Lulu, remets-moi tout ça sur pied, tu seras gentil, merci beaucoup. Puis, bon bah allez hop, hein, c'est parti. Hein. Alors, bien sûr qu'on va essayer de faire tout notre possible pour justement éviter de mourir, hein, ça c'est sûr. La Joséphine... Bon, ça va, elle cogne pas trop non plus quand même. Hein. La Joséphine cogne pas trop, Lulu encaisse facilement. Et puis ben, on se protège comme on peut avec, avec les taunts de la Jeanne. Il n'y a pas trop de stun qui passe, mais en soi, je m'en fiche un petit peu. C'est vraiment pas ce qui me fait peur. Là, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment bah, les breakdev que peut poser les Lucas. C'est pour ça qu'il faut absolument poser. Les provocations. Mais malheureusement, là, il y a un Lucas qui n'est pas provoqué. Bon, ça va. On s'en sort quand même assez bien. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Là, non, normalement, je pense qu'on devrait se débarrasser des citrouilles et bientôt au moins d'un des Lucas. Ah non, il y a une citrouille qui s'en sortira. Parce que, bon, je pense que la citrouille de droite, elle est foutue. Ouf. Ah là par contre là ça risque de faire mal. Aïe, oui, aïe. Veriza, bébé, merci ma belle. Voilà, donc Veriza qui a fait le taf. Et bon, bah, à partir de là quand même on est assez tranquille. La Joséphine qui est sous glancing. On rappelle qu'elle ne peut pas glance sur le skill 1. Mais quelque part on s'en fout. Alors... Donc l'attaque, parfait bébé, ça, on est bon. Bon bah là, nickel, hein. Il y a un Lucas, enfin là le deuxième Lucas du coup, il est cuit. Les citrouilles sont cuites. Bon là, écoutez, on va pouvoir y aller, on va pouvoir aller attaquer Joséphine hein, sans trop de difficultés. De toute façon, l'avantage aussi de Joséphine, c'est qu'une fois que les ZAD ne sont plus là, bah, son passif ne sert clairement plus à rien. Donc là, maintenant, on est tranquille. Voilà, petite dernière vague de stun avant qu'elle ne récupère son passif. Et puis voilà, maintenant c'est parti. Hein. Donc là, vraiment, c'est la ligne droite. Hein. Y a pas de problème. Là, il ne peut plus rien vous arriver. Joséphine seule n'arrivera pas à tomber un seul de vos monstres. Ça, je vous le garantis. Dès l'instant où vous la maintenez sous la provocation,
Dès l'instant où vous la maintenez sous provocation, il n'y a aucune raison que les choses se passent mal. Donc là-bas, vous profitez de Tesarian pour poser un petit break def. Et puis bon bah à partir de là, hein, provocation de la part de Jeanne, reset d'ATB de la part de Veriza. Et à partir de là, bon alors là voilà, là c'est la phase compliquée, c'est la phase justement bah, où elle peut contre-attaquer. Donc c'est pour ça que c'est très important de taunt et de réduire la TB avec Veriza. Bon. Après, voilà quoi. Normalement, Veriza elle a quand même son skill 3 qui peut être disponible. Justement, garder un skill 3 sous le coude au cas où ce genre de choses arriverait. Arrivé à cette phase-là, le but c'est vraiment d'être bah, d'être vigilant et bah, d'éviter ce genre de problème. Bon, en soi, moi avec mes runages, je vous avoue que je n'étais pas trop inquiet, même si la Joséphine devait contre-attaquer. Mais décidément. Ouais, c'est quand tu veux par contre là que tu fais les choses bien, mon petit Raik. Hein. Donc hop, enfin, ça Raik du passé, hein, bien sûr, celui qui joue à ce moment-là, parce que là tu vas quand même laisser deux fois jouer. Aïe, 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 la résistance, bien sûr, la résistance en TOA, on ne le dira jamais assez. Bon, après, hein, ça va. Ça va. La RNG en TOA vaut clairement pas la RNG des GVG. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Ça d'ailleurs, c'est en ce moment, en ce moment, je traverse une grande crise existentielle avec les GVG. Pour moi, c'est vraiment le pire contenu du jeu hein, en termes de RNG et d'équilibrage. C'est vraiment une catastrophe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une catastrophe. Alors peut-être que l'une des conditions, c'est de ne pas pouvoir toucher à la jauge de la télé. Vu comment la Vérisa n'arrive pas à contrôler la jauge ATB de Joséphine, je pense que l'une des conditions, ça va être ça. Et à mon avis, l'autre condition, ça va être de ne pas pouvoir augmenter les temps de pause. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien, ce genre de condition-là. Là, comme ça, à mon avis, on doit y être, quoi. Mais bon. En tout cas, hein, c'est pas grave. Le principal, c'est d'arriver à la tomber. De toute façon, là, il n'y a vraiment aucune surprise. Hein. Vous la tombez sans aucun problème. On va avancer quand même un petit peu, hein, histoire de ne pas vous faire perdre votre temps. Mais vraiment, là, regardez, elle tombe sans aucun problème. Dès l'instant où vous contrôlez avec Jeanne et que bah, vous essayez de l'empêcher autant que faire se peut de faire son skill 2, ça va, ça va. Franchement, vous êtes tranquille. Et de toute façon, quand bien même il y ait son skill 2, vous avez quand même vu qu'on peut le gérer sans trop de difficultés. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pas un boss qui vous prendra trop de problèmes. Hein. Mine de rien, là, j'ai trouvé honnêtement que ce TOA là avait été très facile. J'ai fait les 30 étoiles très vite, juste avant de partir en vacances. Donc du coup, ouais, là, franchement, s'il y a une rotation où vous pouvez faire vos records, c'est bien celle-là. Hein. Donc du coup, voilà, Joséphine qui est tombée, c'est nickel, c'est réglé, fait péter mon Dark and Light. On va bien sûr faire un petit tour du haut niveau des runages. Alors, donc la Jeanne, voilà à quoi elle ressemble, hein, ça reste dans le très 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 standard, très abordable, les artefacts, ils sont en carton, mais c'est pas grave, on l'aime comme ça, le Lulu te barre pas, on a besoin de toi, donc bon bah voilà, pareil, c'est pas non plus un Lulu exceptionnel, le Tesarion, voilà, bah, il fait ce qu'il peut lui aussi, le pauvre, l'Arika, bon bah bien sûr, j'ai essayé de la respecter comme je pouvais, et ma Veriza. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!